Abonnez-vous à notre meilleure chaîne sur YouTube, Amel Ministries TV. Follow your best channel, Ministries TV. Beaucoup de gens dans la chaîne Amen Ministry TV et c'est vous allez passer, vous allez ébeller à travers le monde entier. Quand on a Sobino, Katan Seleka, Ndaïm, quand on a la chaîne Amen Ministry TV, Longonia, Nayo, Monamboka, Jiska Maps, Ordinacima Camera, la coordination à Jean-Claude Bessissa, Clever les Senga, Ndia, Alibosu et Micro, Topessi, merci beaucoup plus na Maman Abiso, Anne Babana, Australie, Skazali, Papa Nabiso, Adolf Bagueta, Motema, Maman Nelly Baba, Tobosanti, Papa John Omo, Papa John Motema, Maman Abiso, Anne Iget Baba, Tobosne Petit, Maman Abiso, Claudine Zongo, la charismatique dans Boka France, Lelo Award, la commune limitée, précisément. La deuxième rue limitée tout côté la mon amboka molobeli pasteur apôtre deva na et tobeta li solo et talo bananzambe katlelo tout ce qui la étant à même son monde d'ambre prédication na et talo bananzambe apôtre mbote mbote papa apôtre le tout ce qui lio au théa bananzambe fils que pour 15 minutes la parole de Dieu. Ok, merci. Shalom peuple de Dieu, c'est l'apôtre deva ndemba au beau messan Hollande à tout moment. En fait, les lois n'engena mais qu'un peu qu'au exhorter, qu'au ranimer les sous esprits à ban ensemble bébé concernant la réalité autocoute en ango spirituellement et puis physiquement. En fait, les lois na rosala moi moulaïti na rosala un peu bref pour na qu'au ranimer les sous foi en abysso concernant la parole de Dieu. Tous en Colossiens chapitre 3. Na olingana tanga un peu pour sunga biso Colossiens chapitre 3, il est écrit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort avec Christ et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Peuple de Dieu, na soki ba appelle ya batu belé na États-Unis, na Europe, de part et d'autre, concernant bananzambe, au bazar na ba problème, au bazar na makambo belé to soleil na bino. Lelo na ngi na encourager mo ananzambe moko pe na signaler lelo moko yo zo landanga. Tika na biso ke vie na yo ezo dépendre te na makambo o zo mona. Mais vie na yo ezo dépendre na makambo o tanga na kata lelo banzambe. C'est pour cela tu vas remarquer, il est écrit pour dire que maladie ozo tungisa o lelo ba réalité mauvaise ozo leksa en vie na o lelo, un jour cela peut passer, mais la parole de Dieu dont il faut que ta foi ait à la poser en elle et que tikala ka jamais koleka ngena yebiso mo na nzamba en ce lieu. Ne mets pas ta foi na makambo ozo mona, ne pose pas ta foi, ta conviction na makambo tu ozo mona. Non, vie ne zo dépendre te na oyo kanisa et vie ne zo dépendre pete na oba tu ba okanisa la yo, mais vie na yo zo dépendre na likanisa nzambe o ezali lo banzambe. C'est pour cela tu vas remarquer Nézaïe, il est écrit vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et celle de Dieu aussi n'est pas le mien. Nana bisamo na nzambe zo landanga en ce lieu okokuta na ba réalité na vie. Mais n'oubliez pas, vie na yo na samoy oza juste rediffusé ma comme ça qui est diffusé dans le ciel. C'est ainsi que tu vas remarquer lorsque Jésus a enseigné sur comment prier. Jésus-Christ a dit ceci: en priant boloba notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour dire que ta vie sur la terre ne sera rien d'autre que la rediffusion de la volonté de Dieu qui a été déjà diffusée dans le ciel. Nana yebiso mo en ensemble. Kotika te maladie o yo zanango et détruit fort nos zanango na yelo banzambe. À tout moment zo mona rapport mezo komela yo. À tout moment où mona maladie komeli yo ko bosana te ko zongisa ko ndemo na yelo banzambe pour ko mama. Yesu Masia, c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Nana bisa mo en ensemble en ces lieux. Vrai yo eza oto mona na cité. Mais vrai yo eza abatami na lola. Et au monde na Colossiens chapitre 3 au tiko tanga verset 1er jusqu'au 3e verset. Na sepel kana verset 3 là où il est écrit ta vie est cachée avec Dieu dans les lieux célestes. Dans le lieu céleste, un homme malade, un pauvre n'existe pas. Cela veut dire, sur la terre, tu es malade. Il faut toujours croire que dans le ciel, je ne suis pas malade.
Autrement dit, dans le spirituel, je ne suis pas malade. Physiquement, tu peux souffrir. Physiquement, tu peux tomber malade. Mais il faut toujours croire que je ne suis pas malade parce que je suis en Dieu. Il y a des difficultés, des moments durs dans la vie. Na yo. Pose seulement ta foi à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de toutes les choses. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Na se pelara ming na porsu chrétien si ke lo baboye. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Nana yebiso mo na nzambe. Ta vie ne dépend pas des difficultés. Mais ta vie dépend de la parole de Dieu. Crois toujours à la parole de Dieu. Peu importe ma promo kokuta nango. Peu importe ma kambo kokuta nango butu pe na moyi. Je t'en supplie mon nzambe. Ndimela toujours le loba nzambe. Naibi actuellement biso ba nzambe to lexa moment moko trop dire. D'après Matthieu chapitre 5, il est écrit nous serons persécutés d'une manière ou d'une autre à cause kaka Yesu Masia oto ndimeli. Mais il est écrit quelque part celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Corrigez tes foi na ôté en Christ à cause de la difficulté. Corrigez tes foi na yo en Christ parce que ba pimeli o mukanda. Corrigez tes foi na yo en Christ parce que au père des passeports na yo. Corrigez tes foi non en Christ parce que mobali a boyi yo. Corrigez tes foi non en Christ parce que moi si a boyi yo. Non. Ya liboso na ngina signaler yo. Undimela Yesu Masia te pobala parce que avant l'œuvre de croix batubanda ko bala banda ko bota banda ko zabambongo Yesu Masia objectif ali bosso ya l'œuvre de la croix ce n'était pas la richesse physique mais c'était la richesse éternelle qui est la vie éternelle yongo na mona Pierre na Matthieu chapitre 6 verset 3 si je m'abuse pas a poser question le Seigneur nous avons tout quitté peto landio to ko gagner nini Yesu lobi ali bosso. Vous aurez la vie éternelle, le royaume éternel. En plus, vous aurez les centuples sur la terre. Nana yebiso lo moko. Jésus-Christ dans ta vie, azaloko la animal au Jacob a elaki Isaac pour pambolaye. Et tango Jacob a maki animal, alamba ke pour pesa Isaac pambolaye. Bible dit tango Isaac bando pambola lo biboye. Que l'Éternel te donne la rosée du ciel premièrement, en plus le miel de la terre. Et ngo laksanine. Tant que yambeli Yesu Masia na vie na yo, il faut toujours croire que la vie éternelle est possible pour toi, mais aussi les centuples. Ngana zondima que nzambe o abalisaka Esther mama, akiko balisa peu importe âge non des avancés. Nina tuno question moko. Nabi ko tanga a Bible. Est-ce so tuna mutu na pona nini Bible lobela mariage ya Esther et lobela hérite. Mais âge exact o baba la Bible ko mangote. Est-ce so vandomi tuna pourquoi Bible ça langote? Ce que Bible comment âge au Esther à balaté rit sa balaté et juste pour nous le belo boy. Ce qui tant on a eu béti na nzambe même âge ne gozalen capable à empêcher nzamba sale la yo. Nana yebi solo mo za difficulté ko bota. Zo exemple à Sarah. Deux fois ménopause 90 ans. Azu makasi disons matin s'est chauffé ndengenini. Et ce qui kata zo azé mazu be makasi opusa mo na ndengenini. Nana yebi so mo na nzambe. Mets toujours ta foi à la parole de Dieu. Ne crois pas beaucoup plus aux hommes. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais plutôt, ne dis pas que c'est un homme. Parce que quand je suis demain je peux changer. Mais la parole de Dieu, comme il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, Jésus-Christ, c'est lui la parole qui ne change pas. Ne dis pas toujours que c'est un homme. Peu importe la difficulté, non dis pas que c'est un homme. Si apôtre devant ngina sambela pona yo yo za ba difficulté yo za na makambu de part et d'autre et tungisa yo ferme seulement tes yeux là où tu es et je vais faire une prière. Seigneur Dieu tout puissant, je sais une chose, ta parole déclare que ta main ô Dieu n'est pas trop courte pour toucher. Seigneur non sambela pona mon frère ma sœur Oazola nanga en Europe, en Amérique, de part et d'autre, partout à Zali. Seigneur mon Dieu, tika loboko non nzambe et se manifeste na vie na ye en tout et pour tout ko landisa ma besoin ya motema na ye. Na sambeli Saint-Esprit, o visiter maman oazana ba problème, consoler motema na ye.
peu importe le nombre de problèmes, il y a des solutions qui sont à combo dans Yesu Masia. Na singo sembo alobo konona via mutu nyoso au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. C'est apôtre Deva, c'était juste une exhortation. Nous sommes là à tout moment pour nous fortifier. Nous avons besoin de soutien moralement, spirituellement, physiquement, financièrement aussi. Je vous donne mon numéro. +243 89 66 59 902. Numéro dans WhatsApp na bandeli. +243 89 66 59 902. Pour nous bien un appel normal. Deuxième numéro nanga +243 81 43 33 006. +243 81 43 33 006. Zama Pambola yo, Zama Pambola Papa Gary, Apambola Frère Guillaume, Apambola Mama Ruth, Apambola Binounion So, Esika Bozolandanga. Je pense que Toko Koutana à la prochaine. Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, merci beaucoup apôtre Deva, merci Nabino, cher fidèle internaute. Je crois que vous avez suivi la petite exhortation de l'apôtre Deva qui n'est plus quelqu'un à présenter encore dans nos antennes de la chaîne Amen Ministry TV. Donc merci apôtre Deva, je crois que les enfants de Dieu ont été édifiés par rapport à cette petite exhortation. Désormais là, apôtre Deva et apôtre Trésor Kabuya, ils ont un espace ici, dans le cas moins 30 minutes, moins 25 minutes pour la prédication de la part de l'Éternel pour édifier les enfants de Dieu. Sur demande de notre très chère maman Anne Getsbaba. Et puis cela aussi va aider aussi les enfants de Dieu qui sont partout à travers le monde entier de bénéficier de la parole de la part de l'Éternel. Merci à toi jusqu'à Maps qui était derrière la caméra. La coordination de Jean-Claude Bessis en disant merci beaucoup à la patronne de la chaîne maman Anne Getsbaba depuis Australie, à papa Adolphe Bagueta, maman Nelly Baba, papa John, l'inspecteur John toujours en Australie, à notre très cher frère chrétien Emmanuel Kanik de Panama et pourquoi pas aussi à celle qu'on appelle comme ça la Claudine Nzongo, la charismatique en France. Maman Claudine Nzongo, merci pour tout, pour ton assistance, merci pour tout vraiment. Que Dieu te bénisse en abondamment vraiment. Nzambe Afongola. Ici, quand vous avez suivi Bélé, Bélé, centuple, comme vient de dire l'homme de Dieu. En tout cas, Nzambe Apambola Bino. Apôtre Deva a besoin de votre soutien financièrement, physiquement et puis spirituellement aussi. Donc, il a donné ses numéros. Bobengaye. Beaucoup de contacts, Mabundeli, Arolandano, Mabundeli. Vous qui avez des problèmes, n'hésitez pas car Dieu dit, la Bible dit ceci, amenez-moi tous vos problèmes et je vous donnerai des repos. Je crois que je deviens aussi quelque part aussi un prédicateur de la part de l'Éternel parce que nous sommes avec les hommes dédiés, des fois, de temps à autre aussi, apôtre Kabuya, après ça, il va verser, apôtre Devorcine, donc des versets. En tout cas, vraiment, nous sommes à Pambolabino. On se retrouve prochainement pour notre numéro. Bye bye. Abonnez-vous à notre meilleure chaîne sur YouTube, Amen Ministry TV. Follow your best channel, Ministry TV.